t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons. Un thème le dimanche dernier, n'est-ce pas? Je voudrais approfondir un peu ce thème qui est pour moi très important pour la vie d'un enfant de Dieu. Parce que, comme le disait la servante tout à l'heure, c'est la parole qui nous permettra de grandir. C'est celle-là qui nous permettra d'atteindre certaines dimensions de notre élévation, n'est-ce pas? C'est cette parole qui nous transformera. C'est pour ça que la Bible dit, ils ont reçu la parole. La parole les a transformés. Alléluia. Frère, si la parole ne te transforme pas, il faut comprendre que la bénédiction qui t'attend ne peut pas venir vers toi. Amen, amen. Gloire à Jésus. Parce que la parole est égale à un affranchissement. Selon la parole. Selon la Bible. N'est-ce pas? Donc vous comprenez que celui qui n'a pas encore reçu la parole n'est pas encore affranchi. Si tu n'es pas encore affranchi, c'est que tu es encore dans les condamnations, dans les liens ancestrales, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans les liens du passé, des parents, de la famille, de tout ce que tu peux imaginer. Mais quand tu es à la parole et que la parole t'affranchit, amen, tu n'es pas limité, tu es illimité. C'est pour cela que notre Dieu, c'est un Dieu éternel. Pourquoi? Parce que lui-même, il est l'incarnation de l'affranchissement. Gloire à Jésus. Alors, un enfant de Dieu... ici, dans sa maison, qui n'a pas encore connu la parole, qui n'a pas encore fait la rencontre avec la parole, il lui est difficile de pouvoir avancer. Amen. C'est vrai, elle est dure, cette parole. Elle est dure, des fois, quand vous ne voulez pas l'accepter, elle devient difficile. Mais quand on prend une réelle décision de vouloir avancer et de quitter une situation, cette parole ne peut que nous donner, c'est comme une pièce maîtresse de ton élévation ou de ton avancement. Amen, amen. Quelqu'un qui cherchait à comment faire pour pouvoir avancer, mais celui qui n'a pas l'élément pour le faire avancer, tu vas aller d'un point A à un point B, n'est-ce pas? Alors pour aller d'un point A à un point B, il te faut une voiture. Maintenant, s'il n'y a pas de voiture, tu perdras beaucoup plus de temps à marcher à pied. Comme à l'époque, nos parents, ils marchaient à pied, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de locomotion. Là-bas, à l'époque, quand tu avais un vélo, c'était un luxe. Et aujourd'hui, on regarde la voiture comme un luxe, n'est-ce pas? Alors, ouais, au fur et à mesure que nous avançons, c'est comme une affaire de Dieu qui arrive dans la maison de Dieu. Il gravit des étapes de sa grâce, n'est-ce pas? Et vous vous rendez compte que si cet élément-là, qui est la parole, n'est pas là, elle nous amène à nous perdre. Donc si la voiture, considérée comme la parole, n'est pas là, quelqu'un qui va aller d'un point A à un point B perdra beaucoup plus de temps que de partir à vélo ou de partir du moins à pied ou même à vélo. Amen, amen. Prenons l'exemple, ici à Paris, alors nous savons que les RER sont plus rapides que le métro. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc vous comprenez que je vais aller, par exemple, en Juvisy. Si je dois partir en métro, je perdrai beaucoup plus de temps par rapport à celui qui va prendre le train et qui fera peut-être 20 minutes ou 10 minutes à partir à Juvisy. Maintenant, on connaît ça, celui qui va prendre la voiture sera plus rapide que le train. C'est ça, la parole. Et c'est ça, l'Église. Quand on est là, c'est des étapes. Et chaque étape qu'on franchit, il y a des épreuves. Amen, amen. Souvent, tu as la porte de ta bénédiction et puis l'épreuve arrive. Et quand l'épreuve arrive, si tu n'arrives pas à discerner l'épreuve de ce qui arrive, tu perds ta grâce et tu passes à côté. Ça, la parole te permet de retourner dans ta position initiale pour dire avançons ensemble. Pour que tu arrives à Canaan. Alléluia. Regardez, prenez l'histoire du peuple d'Israël. Quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, quand vous lisez bien la Bible, Dieu n'a pas révélé aux serviteurs qui devaient accompagner le peuple d'Israël qu'ils devaient avoir des épreuves. Moïse même ne savait pas. Amen. Moïse ne savait pas qu'il devait avoir épreuves. Moïse ne savait même pas qu'il ne devait même pas avoir Canaan. Mais Dieu a dit, prends mes enfants, va à Canaan. C'est vrai ou c'est pas vrai? Frère, dans la vie spirituelle, Dieu ne révèle pas les bénédictions
C'est la partie réservée à Dieu seul. Mais il révèle la parole pour que tu ailles vers la bénédiction. Amen, amen. Je préfère quelqu'un qui me montre le chemin que quelqu'un qui m'apporte la nourriture. Parce que tant qu'il te porte, il te portera la nourriture, tu deviendras son esclave. Amen. Mais je préfère quelqu'un qui me dit, bon, moi j'ai un don. Amen. Et il vient et te dit, bon, toi tu as un don, mais pourquoi on ne travaille pas ensemble? Viens prêcher. Amen, amen. Au fur et à mesure, le premier jour certainement, tu vas pécher, tu auras la difficulté à pouvoir convaincre. C'est vrai. Mais avec le temps, tu vas atteindre certaines expériences. Et tu vas y arriver. Gloire à Jésus, c'est ça la parole. Beaucoup acceptent la parole en partie quand ça les arrange. Amen, amen. Tu n'es pas encore assis. Amen. La parole doit être véritable de la première lettre jusqu'à la dernière dans ta vie. Quand c'est bon, tu dois l'accepter. Quand c'est pas bon, tu dois l'accepter. Tu dois aussi l'accepter. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des messages qu'on prêche dans des églises. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir une poussée d'églises. Et il y a des types de messages que certaines églises refusent de prêcher. Le message sur la sanctification que je vous prêche, il y a très peu d'églises aujourd'hui, tu le prêches. Amen, amen. Mon enfant, c'est vrai. Quand un serviteur te dit, tu seras béni, tu auras 1 million. À cause du nom de Dieu, tu es sûr que tu auras le 1 million. Mais qu'est-ce que tu en feras? Amen, amen. Tu auras le million, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu en feras? C'est la parole qui t'enseignera la sagesse. À comment gérer ce million pour ne pas aller dans le désordre. Amen, amen. C'est pour cela, souffrez. Beaucoup disent aujourd'hui, oui, moi j'ai commencé à être le vieux. Il avait un don prophétique très, très, très aigu. Mais depuis là, il est dans la parole, dans la parole, dans la parole. Moi, ça me décourage. Et puis il vient et dit, mais papa, faut donner un peu de prophétie quand même. La meilleure des prophéties que tu vas entendre, c'est ce que je t'ai dit là. Amen. Hein? Notre Dieu, il est vivant, il sait toutes choses. Avant même que les choses se passent, il sait. Il nous prévient. Mais, frère, ce que je souhaite pour ta vie, c'est que ta vie ne soit plus la même. La façon dont moi, il m'a transformé là, je sais que ce Dieu-là, il est capable de le faire dans ta vie. C'est pour cela, ce qui m'a transformé, c'est ça, l'évangile. Ce n'est pas autre chose. Parce que si l'évangile n'est pas dans ta vie, frère, tu vas trimer. Excusez-moi du thème. Tu vas tourner en rond. Et tu vas pleurer. Là où il ne fallait pas pleurer. Amen, amen. C'est pour cela ce matin, on va aller un peu en profondeur. N'est-ce pas? Alors, le dimanche dernier, j'ai fait un tour d'horizon. On a dit, pourquoi autant d'échecs? Pourquoi sommes-nous, nous, en tant que chrétiens, beaucoup dans l'échec, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous sommes appuyés sur Jean 5, 24 et Jean 16, 12, 13. Alléluia. Et nous avons retenu trois éléments dans Jean 5 et Jean 16. La vie éternelle, ne pas être condamné et passer à côté de la mort, n'est-ce pas? Alléluia. Et en Jean 5, toujours, verset 5, et nous avons retenu la parole de sa vérité. Amen, amen. Et après, quand nous avons vu, on a pris des exemples, nous avons pris certains exemples de certains serviteurs qui ont travaillé dans la maison de Dieu, mais à cause de leur cœur, leur état d'esprit, ils sont passés à côté de leur grâce. Et nous avons pris le cas. Amen. Amen.